Bonjour à tous, je suis la professeure Myriam. Bienvenue nouvellement à la classe de français de première et de deuxième année, la classe du vendredi 29 mai. Attention, n'oubliez pas de prendre des notes. Pour cette occasion, vous devez copier les vocabulaires et aussi les activités proposées. D'accord? Aussi, n'oubliez pas de répondre les activités pour vérifier dans la classe en ligne. Dans cette occasion, on va continuer avec l'étape numéro 4. Si vous voyez la classe antérieure, on a commencé avec la présentation et l'introduction de cette étape. Et aussi, on a commencé avec la leçon numéro 1. On va continuer avec la même, qui s'appelle « Parlons de sport ». Mais dans cette occasion, on va travailler avec le vocabulaire du corps. Par exemple, on a la tête, les cheveux, les yeux, le cœur, le bras, la main, le dos, l'espalda, le ventre, la jambe et les pieds. D'accord? On va apprendre les actions qu'on peut faire avec l'appui du corps, comme monter, par exemple. Je monte les escaliers. Voyez, c'est monter. On a aussi muscler. Qu'est-ce que ça veut dire muscler? Ça veut dire travailler les muscles, travailler ou exercer le muscle. D'accord? Une autre action, c'est porter. Par exemple, il porte les pierres. Et finalement, on a le verbe sauter. Par exemple, elle saute la corde. Ça va? Excellent. On va commencer à résoudre les activités. C'est l'activité numéro 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons un article de sport. Avec cet article, on va répondre la question. Qu'est-ce que l'article propose? Il propose des exemples de sport, il propose des exercices pour les muscles ou il propose des exercices excellents pour les pieds. D'accord? Vous devez répondre. Mais avant, on va faire la lecture. La lecture dit 4 trucs pour muscler ton corps. Être bien dans son corps, c'est être bien dans sa tête. Voici des idées d'exercice pour muscler ton corps. Exercice numéro 1. Tout le monde, les escaliers. Excellent pour les jambes. Exercice numéro 2. Tes avant-bras et tes pieds portent ton corps. Parfait pour muscler le ventre. Exercice numéro 3. Tes mains et tes bras portent ton corps. Pour muscler les bras et le dos. Et l'exercice numéro 4. Tu sautes sur tes pieds. C'est bon pour tous les corps et pour le cœur. Et oui, le cœur, c'est aussi un muscle. Ça va? Alors, qu'est-ce que l'article propose? Réponds, s'il vous plaît. Quelle est l'option correcte? De quoi ça parle l'article? Des exemples de sport, des exercices pour les muscles
ou des exercices excellents pour les pieds. Très bien. Si tu as répondu à la question, on va passer à l'activité suivante. C'est l'activité numéro 2. Dans cette activité, on va utiliser une autre fois l'article antérieur. Oui? Mais pour cette activité, on va relire l'article et on va répondre. Quel exercice muscle ces parties du corps associées? Ce sont les parties du corps proposées. Vous devez lire et associer. Quelle partie du corps peut muscler l'exercice numéro 1? A. Le bras. B. Le ventre. C. Le dos. D. Le cœur. Ou la lettre E. Le jambe. Répondez. D'accord? On continue. L'exercice numéro 2. Quelle partie proposée muscle? La lettre A, B, C, D, E. Très bien. Exercice numéro 3. Quelle partie du corps il muscle? Le bras, le ventre, le dos, le cœur ou les jambes? Et finalement, l'exercice numéro 4. Quelle partie il muscle? A, le bras. B, le ventre. C, le dos. D, le cœur. Ou la lettre E, le jambe. Rappelle qu'on va répondre avec l'appui de l'article. Ça va? Vous avez fini? On continue. On passe à l'activité numéro 3. Dans cette activité, vous devez écrire le nom d'un expert et dire quelle partie du corps il muscle. Tu peux utiliser le vocabulaire de la classe passée, d'accord? Tu peux dire quelques sports, la natation, le judo, le basket, le football, le tennis, etc. D'accord? Tu l'écris et après, tu dois écrire quelle partie du corps il muscle. Si vous voyez, je vais mettre un exemple. J'ai mis la natation. 1. La natation, c'est bon, c'est excellent, c'est parfait pour le dos et les bras. Tu peux utiliser quelques adjectifs que tu voulais. Oui, c'est bon pour le dos et les bras. C'est excellent pour le dos et les bras. Ou c'est parfait pour le dos et les bras. D'accord? C'est ton tour de répondre. Très bien. On va passer rapidement à la partie de phonétique. Je vais proposer un bilingue. Qu'est-ce que c'est un bilingue? Es trabalenguas, d'accord, en espagnol. Aujourd'hui, on va pratiquer avec le son R. Vous devez écouter et répéter le plus rapidement possible. Ce n'est pas nécessaire de copier, d'accord? Le bilingue dit: Victor adore le sport et exerce son corps pour être fort. Je répète.
Bite adore l'espoir et exerce son corps pour être fort. Répétez s'il vous plaît. Victor adore l'espoir et exerce son cœur pour être fort. Oui, vous devez répéter et vous devez dire le plus rapidement possible. Victor adore l'espoir et exerce son cœur pour être fort. D'accord? Pratiquez s'il vous plaît. Très bien. La classe est finie. Merci beaucoup pour votre attention. Rappelle que c'est important de copier et de résoudre les activités, mais aussi c'est important de participer dans la classe en ligne. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.